Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je retourne dans un petit vlog de ma semaine. Je pars à Paris. Oui, en plus, j'y reste vraiment 7 jours. Ça va être cool. On va bien profiter et j'espère que vous allez passer une bonne semaine avec moi. Je vous ai déjà fait un vlog d'ailleurs à Paris et là, je vous en refais un parce que c'est l'occasion. Et j'aime trop vous vlogger. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres choses sur ma chaîne. Ou n'oubliez pas de vous abonner, de liker et tout pour me soutenir. Je vais pas trop parler et on va passer direct au vlog. Donc là, je vais vous montrer où j'en suis. Donc là, c'est bordel. Il y avait déjà des trucs que j'avais laissé sur mon lit préparé. Et j'ai commencé à faire. Ben là, c'est juste les bas. Voilà, d'habitude, j'en prends beaucoup trop. Il y en a quand même beaucoup par rapport. Je pense que je vais pas mettre tout ça. Mais au moins, ça va. J'ai pris des feutres, des livres. Parce qu'à chaque fois, je me dis de faire ça. Je le fais jamais. Donc j'espère que cette fois, je vais le faire. Ok, donc là, j'ai fini de faire ma valise. Je vais vous la montrer un peu. Donc c'est pas super, super bien rangé. Parce qu'au final, j'ai rajouté d'autres trucs et tout. Donc mes vêtements, j'ai pris juste un short. Le reste, c'est que des jeans, comme je vous ai dit. Une tenue de sport. Là, c'est des t-shirts, les jeans. Là du coup je suis chez ma amie, voilà, magnifique salle de bain. Je vais partir me laver, je vais me laver la tête et tout. Là du coup je me suis lavée, j'ai les cheveux tout propres, ça va être trop cool cette semaine. Donc là il est à peu près 9h30 je crois, je vais m'habiller, me préparer, je vais me maquiller un peu. Je pense que je vais pas trop me maquiller. Donc on partira vers 11h15, le train est à 12h49. Du coup voilà, ça va être trop cool. Et je pense que je vais sûrement acheter des petits trucs à manger comme je vous avais dit. Alors là du coup on est à la gare et je me montrerai ce que j'ai acheté en train. Voilà, là on est sur le quai et on attend le train. Voilà. Tout à l'heure là on redescend pour emmener un colis juste à côté normalement. Là je suis chez elle, je suis trop contente parce que vraiment je stressais tout le voyage. Vous savez quoi, vu que personne ne sait que je suis réveillée, enfin je sais pas ma cousine ce qu'elle fait, j'ai envie de faire un peu de sport mais il est déjà presque 10h, comme ça ça sera fait tu vois, et comme ça ça m'embêtera pas la journée, ça sera fait. Je pense que je vais pas vous faire un appartement tour parce que je vous l'ai déjà montré je crois dans l'autre, mais je suis pas sûre. Ça, c'est le bain de ma petite cousine et de son frère. Du coup, voilà, j'adore. Avec mon t-shirt, là, on dirait une petite photo grand. Du coup, en fait, je vais faire du sport à ma cousine. Je crois qu'elle vient juste de se réveiller. Du coup, je suis contente. Vous savez ce que je fais là? Il y a son père qui a envoyé ma cousine parce que c'était le bordel. Et là, je suis en train de ranger sa chambre. Là, c'était tout n'importe quoi. Regardez, c'est tout. Nickel, là j'ai mis ces petits trucs comme ça. Et là regardez l'état. Et après je vous montrerai après. Donc je vais la ranger. Alors en vrai c'est à peu près rangé. Genre voilà quoi, ça fait un peu peut-être bazar ou quoi. Mais vraiment c'est le bordel, un point dans cet endroit là. Celui-ci, voilà. Donc ça se range après, il reste encore plein de trucs mais en vrai ça va. Ok, donc là mon haul est posté. Il est 18h30. Il est posté, je suis trop contente. Là je prends une petite douche, j'en ai beaucoup pour demain. Ce soir là sur le balcon, au soleil, genre tranquille. Oula, mais par où ça s'ouvre ce truc? Oh, il fait beau, c'est trop beau. Ok, donc là je vais aller au lit, il est presque minuit. Je pensais me coucher tôt. Ils m'ont encore proposé, ma caméra elle est pourrie. Et ils m'ont proposé de regarder encore Divergente 3. Et demain, vous allez voir ce qu'on va faire. Mais c'était pas prévu. Il faut voir le positif, j'espère que ça va être bien. Parce que moi je pensais rester ici. On vous allez voir aussi qu'on va aller. Je vous fais des gros 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 et ma mère, et je vous souhaite une bonne. Et là on voit, regardez, on voit le Sacré-Cœur juste là. Je sais que je voulais vous montrer. Donc là je viens de me réveiller, donc voilà ma tête, j'ai des cernes et tout. J'ai fait la technique pour faire des boucles en chaleur, genre comme ça. Et en fait j'ai vu que là c'était une cata, c'était trop bizarre. Et ça fait des boucles toutes petites par rapport à la... Ok, donc là on va ouvrir les volets, j'ai fini des volets, c'est très très bon. Mais regardez-le, il
Il est trop mignon. Donc là, on va manger un petit kebab. Il est trop bon et la sauce, elle est trop bonne. Elle pique de ouf. Mais alors, c'est trop, trop bon. Ce soir, on part à la campagne. C'est ça que je vous ai pas dit. Je pensais même pas. Vous savez, je me suis un carré là. Mais on part à la campagne. Du coup, voilà. Dans la maison de campagne. Ok, donc là, comme hier, j'ai fait quoi? J'ai rangé la chambre d'un petit cousin. Et mes crèmes, c'est vachement mieux. Je vous ai même pas montré avant. Et du coup, là, on va sûrement. On va peut-être aller au printemps et tout avec ma petite cousine. Du coup, voilà. Donc je vais voir avec elle, là je vais aller la voir. Je suis maquillée un peu, mais vraiment j'ai fait vite fait parce qu'on devait partir. Sauf que là ma cousine en fait elle a mis la mise à jour sur le téléphone et tout. Du coup je vais montrer un peu ma tenue, très très simple. Comme ça, petit débardeur, avec petit jean bleu de chez Zara. Qui n'est pas dans mon haul celui-ci. Et petit sac Zara comme ça. Avec du vernis rouge, des tropiciennes comme ça là. Trop belle. On y va. Deux mojitos, l'autre elle a pris un milkshake et un mojito. Elle a fini et moi j'ai pris ça et je n'ai même pas fini. Non, j'ai fini ça à la fin quoi. C'était succulemment bon. Donc là maintenant on va aller au printemps juste à côté. Voilà, on va se balader un peu et après on va rentrer. Il n'y a pas le prix. Tu vas me l'acheter en cadeau? Ça dépend combien ça coûte. Regardez comment c'est trop beau les bijoux Zadig et Voltaire. Il y a même la montre là, elle est trop belle. On est revenu. Je vous ai pas trop filmé parce qu'en fait on rigolait trop en fait. On a chanté aux Champs-Élysées là. C'était assez drôle. Merci ma puce. Hein. Ah, j'ai mal aux pieds, j'en peux plus. Bon ben là, on est redescendu. C'est pas grave, one night. Et on est redescendu. Et on va ramener un colis. Du coup, on va faire une petite chanson. Allez, Clément chante. Non. Petite chanson de fond, musique de fond. Il est malade. Alaparapapaï. Oh. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Oh, il a acheté un bouquet de fleurs, mais il tient à l'envers. Putain, il va lui donner, il va tomber. Mais l'autre a envie de faire ça, ça c'est actif pour la grossesse. On rentre, on a déposé le colis. Succulent. Succulent. Waouh, des trottinettes. Ok, là vous demandez sûrement où on va et on va tout simplement, comme je vous ai dit ce matin, à la maison de campagne où on va passer une journée et on va faire une activité trop cool. Donc voilà, vous inquiétez pas, on sera vite de retour à Paris. Bientôt, comme ça après on va partir à l'activité, ça va être trop cool. On a mis nos petits mojitos, j'allais dire non, tu vois. Oh là là, ma bouche. Moi j'ai pris trois goûts. Et là on va visiter l'Asie. On a visité l'Amérique, il y avait l'Afrique. Et là on va dans, en Asie. Donc voilà, là on rentre dans l'Asie. Elle est folle! Elle est folle! Bon, là du coup, on est rentré et là je vais faire un peu de sport. Il est 8h. On va manger et tout. Et après, on ira au lit puisque demain, on rentre à Paris à 9h. Du coup,
Voilà. Du coup, je vais laver les dents. Je vais aller au lit. J'ai fini le montage de l'autre vidéo. Je suis trop contente. Coucou, donc là il est 8h43. Je me suis juste. J'ai laissé mon haut de pyjama. J'ai mis ça. Je me changerai à Paris. Je me maquillerai. Je ferai tout à Paris. Normalement, une petite balade en vélo jusqu'à la tour Eiffel. Je suis trop contente, ça va être génial. Je vais m'habiller parce que là, je suis quand même en serviette. Mon outfit très simple, très joli. Petit haut de chez Zara, enfin, c'est un body bleu comme ça. J'ai pris en S vu qu'ils n'existent pas en XS. Et ensuite, petit jean de chez Zara aussi, métallisé comme ça, qui est en vol. Bon, là, il est presque 16h. On a été manger chez les voisins et là, on va faire la petite balade en vélo. On attend ma tante, on est sorti du parking. J'ai mal aux jambes, je suis en train de mourir. Et du coup, on l'attend. Donc bon, voilà. Vu la tête que j'ai, il me faut mettre un casque. On dirait un casque pour aller faire de l'équitation. Mon vélo, elle a le sien. Du coup, voilà, on est devant l'entrée là de la résidence. Oh, je vais mourir. Je vais emporter la valise. Oh, je serai rentré. Je vais vous raconter. Non, monsieur, c'est encore. C'est plus facile. Je descends. Bon. Regardez ça, avec la valise. Il a retrouvé tous ses amis. Il s'est fait harceler là. Non. De quoi? Comment je fais là avec la valise? Bah tu descends. Mais attends, ça fait peur ici là-haut. Oh là là. Là je vais sortir, je vais faire un update, mais j'en peux plus. J'en peux plus, je suis épuisée. Et là on doit aller à la boulangerie acheter du pain chez ma cousine qui est en bas et on y va. On y va vite fait comme ça, voilà. Et on va prendre, on doit jeter ça, c'est du compost. Je prends mon petit déj. Je suis allée voir mes résultats de bac sur Cyclades. Donc je sais pas. Bon, enfin vrai. Et donc je vous explique le programme de demain, ça va être trop bien vu qu'aujourd'hui je vais pas faire grand chose. Donc j'ai ma meilleure amie qui vient avec son copain à Paris. Et du coup, on a décidé, et ma petite cousine elle vient pas avec nous finalement, elle veut pas, d'aller au musée Yves Saint-Laurent. Si vous ne connaissez pas le musée Yves Saint-Laurent, à Paris, il a été créé le 3 octobre 2017. Et c'était là où Yves Saint-Laurent faisait ses créations dans son ancienne maison de couture. Donc il se situe dans le 16e arrondissement de Paris, où on va passer la suite des jours. Ça va être trop bien. Je les ai vraiment adorés et j'avais vraiment plus envie de rentrer chez moi. On a réservé et pour 15h. Du coup, normalement, voilà, je suis en train de goûter. Je regarde Gossip Girl. Je regarde même Lena. Je mange mes nuggets. Je me suis levée, je me suis habillée et j'ai fait du sport. Un peu. Genre 15 minutes. Un petit jus d'ananas, j'ai mis du jus d'orange aussi et du pain avec des carrés de chocolat. J'ai déjeuné, il est 11h et je pars à midi. Donc voilà, on a mes cheveux trop kiki. Il fait super beau dehors, c'est trop cool. Je suis trop contente. Voilà, je suis prête. Il est 11h40 environ. Et du coup, là, j'ai fini de me maquiller. Là, je suis ready, j'ai mes petites Air Force, petite chine. Oh la gueule. Moi je peux goûter. C'est hyper bon. Elle est bien la gueule.
remporte le premier et le troisième prix de robe du concours de dessin de mode organisé par le Secrétariat international de la laine. Je vois pas. Attends, y'a quoi? Oh, elle est là. Oh my god. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Profiter, c'était magnifique. Ok, donc là je vais me laver, du coup je pensais rester ici pour dormir. En fait, j'ai des amis à eux qui n'avaient pas très loin. En fait ils y sont mais ils veulent que je vienne. Ma cousine m'a dit qu'ils allaient peut-être boire l'apéro, donc peut-être qu'on va carrément y manger. On va retourner vers l'Arc de Triomphe comme hier et ça va être trop cool. Faire un manège alors que je vais faire des économies là, ils font un truc que je veux même pas. Je vais tuer un truc d'eau là, en plus j'ai fait l'année dernière. Oh là là, chaque année. Regarde la position là. C'est quoi cette position là? On est chez Macron. On a carrément un point de côté quoi. Ouais. On se dépêche. On est en train de mourir, on devait être à l'heure. On devait être à l'heure pour rentrer. On a pris notre chien. On n'en peut plus. Coucou, donc là en fait je suis en train de faire le montage et c'est la fin de la vidéo. Voilà, je vous ai déjà dit au revoir, donc je voulais pas redire à la fin, j'ai pas retrouvé la vidéo où je vous ai dit au revoir. Donc je vous dis au revoir maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Du coup j'ai finalement retiré mes ongles, j'espère que le vlog vous a plu. Encore une fois, donnez-moi des idées de vidéos en commentaire. Et voilà, je suis vraiment preneuse. Je vous fais d'énormes bisous. Abonnez-vous, partagez, commentez, ça m'aiderait énormément. Et likez la vidéo. Je vais essayer d'être régulière et d'en poster peut-être une tous les dimanches et même mercredi, je vais voir. Voilà. En tout cas, là, je suis contente d'avoir vraiment repris YouTube et d'être de plus en plus active. Donc voilà, et venez me suivre également sur mes autres réseaux sociaux qui seront tous en barre d'infos. Voilà, bisous.